Café Sport. Yo. Looking over the skyline of the city. Loud, quiet nights in the midst of crime. Next door to happiness lives sorrow. Signals of solution in the sky. A city of justice, a city of love, a city of peace for every one of us. We all need it. Can't live without it. A Gotham City. Oh yeah. Sleeping awake because of fear. Oh yeah. Children are drowning in their tears. We need a place where we can go. A land where everyone will have a hero. A city of justice, yeah. A city of love. A city of peace for every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live without it. A Gotham City. City of justice, yeah. A city of love. Ooh. A city of peace for every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live without it. A Gotham City. Ooh. Yeah, yeah. Dead in the middle of stormy weather. Et c'est un match que nous préparons, que nous aborderons avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité et beaucoup de détermination. Vous pensez qu'entre voisins, c'était utile, entre co-organisateurs, c'était utile d'organiser un match comme ça à la veille d'une CAN? Oui, oui, tout à fait, c'était utile parce que comme je vous le disais, nous avons les mêmes motivations. Ils sont aussi bien motivés que nous pour chercher à aller le plus loin possible. Et bon, si possible, arriver jusqu'en finale et remporter la finale. Vous connaissez bien cette équipe de Guinée équatoriale, quoi ? Non. Non, je ne la connais vraiment pas. Je ne l'ai jamais vu jouer. Nous n'avons aucune idée. Bon, merci coach, nous vous laissons continuer le travail. Oui, oui. C'est bien passé? Ouais, mais j'ai mal au dos. C'est des courbatures ou bien? Non, j'ai mal au dos. Ça fait... Hier, j'ai eu mal. J'ai mal tombé. On a l'impression que je suis synthétique et j'ai mal tombé. Ça va. Tu penses que ça va aller avant le match de vendredi? On va voir ce soir avec l'ostéopathe pour moi. Mais je pense que ça va aller. Si j'ai fait la séance aujourd'hui, ça va aller. La Guinée équatoriale, c'est un pays que tu connais? Bah, pas précisément, hein. J'ai joué seulement contre les juniors, quand j'étais à l'équipe nationale junior. Et comment tu prépares ce match dans la tête? Bah, comme tous les autres, hein. Plus encore, comme c'est un derby, j'essaie d'être le plus près possible. Mais on se prépare. Le groupe est au complet ce soir?
Oui, je pense. Hein. On attendait Bruno qui arrivait ce midi. Le groupe était complet. Donc, après, tu as un tour de préparer ton équipe et on se prépare. Ok, Didier. Ciao, ciao. Okay. C'est la question que je vais vous poser. J'ai vu l'entraînement était trop engagé. Ouais, bien là, c'était plus l'entraînement, c'était un peu plus engagé que ça. Mais on espère que. Comment tu as trouvé alors l'effet, quel effet ça a produit? C'était dans la bonne ambiance. C'était la bonne ambiance. La préparation c'était la bonne ambiance. Bon, on espère que ce week-end, on va faire un super match aussi. Et après ça, on dira que c'est sorti super bien. La Guinée équatoriale, c'est un derby entre bon, co-organisateurs. C'est que c'est un derby, mais c'est rien qu'un match. On le prend avec joie et plaisir. Le meilleur gagne alors. C'est vrai, le meilleur gagne. Et suffisamment pour se faire plaisir pour ce match. C'est une équipe que vous connaissez, vous avez déjà joué? Ouais, on a joué plusieurs matchs, notamment j'ai pratiqué avec eux et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est maintenant un match vraiment différent. Aujourd'hui, on espère que ça se termine dans bonne ambiance et ça se passe bien. Quoi. Merci aux deux. Quand est-ce quoi? Merci encore. Et cet entraînement, comment tu l'as préparé? Franchement, c'était un match pour moi, un vrai match. C'était un entraînement engagé, comme on dit. Non, c'était bien, c'était bien. On a vu que tout le monde avait envie, sans pour autant se blesser. C'est déjà une bonne chose. Et c'est bien, ça redonne envie de jouer. Et voilà, après, contre la Guinée. Qu'est-ce que vous avez le plus travaillé? La profondeur, le positionnement? Qu'est-ce que vous avez le plus travaillé? Bon, quand on a mal, c'est le positionnement, mais après, on a tout fait. On a fait le positionnement, profondeur, et après, c'est l'envie de jouer. On avait envie de jouer, on a joué, voilà. Et la Guinée équatoriale vendredi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en savez déjà? Ouais, j'ai joué avec l'OGC Nice en préparation. Bon, il n'y avait que les locaux qui ont joué de chez eux, donc je ne sais pas trop l'équipe, mais bon, c'est une équipe qui y va quand même. Donc on sait à quoi s'attendre. Ce sera un match difficile, c'est un derby entre co-organisateurs. Voilà, oui, c'est un derby. Donc, non, on va bien se débrouiller. Vous pensez qu'une victoire après celle du contre le Niger est possible? Bien sûr. Terrain, on ne peut pas laisser les bouteilles comme ça. Non, bien sûr, non. Sûr, bon, pas sûr, mais il faut qu'on gagne. C'est la seule des choses, la seule chose qu'il faut qu'on fasse. Et voilà, dès qu'on est presque au point. Merci, à vendredi et bon match. C'est à la traîne. Hein. Ah, laisse-moi tranquille, c'est bon, je suis fatigué. Tu es fatigué? L'entraînement était un peu difficile aujourd'hui. Casser les couilles, celui-là. Tu te remets. Ben oui, je me remets dans le bain, il faut bien. J'ai mal de partout, je suis énervé, donc c'est pour ça. Ben, mais c'est pas grave, je suis content d'être en sélection. Et je me prépare de toute façon pour la canne en espérant que mon futur s'éclaircisse un peu plus. Mais je vous ai vu présenter Ngaï au Gabon, comment ça a été? Mascotte. C'était bien. Bonne organisation et très bel apéritif après. Dans l'ensemble, j'étais content. Donc, on peut dire que la CAN c'est déjà effectif, comme vous voulez. La CAN quoi? C'est déjà effectif. La CAN au Gabon. On est dedans déjà? Hein, on est dedans. Hein, bon, merci. On est sur les starting blocks. Voilà. Bon, Daniel, bon match pour vendredi. Vous connaissez déjà la Guinée équatoriale? Pardon? La Guinée équatoriale, vous connaissez? Vous avez déjà joué? Pas du tout. Bon. Bon match. Merci. She said,